Et bonjour à tous, bienvenue dans le 25e vlog du mois de juin avec la team. Ouais. Et là c'est beau ce qui se passe, ceux qui reconnaissent, on est en Normandie chez Brieux. On revoit notre lube. Ouais. Le frère de Brieux, vous l'avez vu au mois de novembre, la légende. Et au mois de janvier, je crois. Oh, le premier qui t'organe, c'est vrai. C'est vrai, c'est mon lube. Ouais. Et surtout, il y a qui là? Le sick. Le sick. C'est qui, tu parles? Tu parles? Tu parles? Allez hop, flop, flop de Brieux. Allez. Alors j'explique vite fait parce que en gros vous dans le vlog d'hier du coup c'était la soirée au concert. Et là d'un coup on se retrouve en Normandie, pourquoi? Parce que du coup j'ai pas filmé la journée d'hier. J'étais aussi sur un tournage vraiment de 8h du mat à 21h, je suis arrivé ici à minuit. Donc on a pas pu filmer de vlog. Mais au moins ce qui est cool c'est que vous reprenez, du coup y a pas de trou dans la sortie des vlogs. C'est vraiment ça s'enchaîne. Et là vous reprenez vraiment le rythme normal parce que là vous voyez ça du coup dimanche soir. Et c'est vraiment ce qu'on tourne samedi, donc comme d'habitude on tourne la veille, ça sort le lendemain. Donc ça c'est beau. Et beau programme je crois, normalement Brie en Normandie là tu te régales là. C'est extraordinaire. Est-ce que Brie t'as des trucs à montrer dans ta maison qui ont changé depuis novembre? Ah, ah la oui. Est-ce qu'on peut voir un peu the door. À la porte de la salle de bain, le mari c'est là, c'est vrai que... Il y a les meubles, il y avait pas les meubles déjà. Je sais plus. Ok là il se passe quoi là? Attends, ça t'avais pas je crois non, Ah si là, c'est vrai, on avait pas ça la loveuse. Ça s'appelle vraiment une loveuse. Ouais. Ah c'est drôle. Ma femme elle se met là. Mais en fait je peux pas y mettre parce que c'est pas adapté pour les grands. Ah. Tu sais, même pour les petits, hein, j'ai l'impression. C'est vrai, toi tu peux te mettre un peu en boule, oui, comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, oui, ça c'est super ça, attendez. Bienvenue la team. Super ça. Nos chambres ont un petit peu changé, maintenant j'ai la batterie. Ah, je l'ai même pas vu celle-là, tiens. Oh oui! C'est là où j'ai dormi. Je fais un petit. Ah, ça sent Max cette chambre-là. Merci. Ça sent vraiment Max. Merci beaucoup. Ça fait maison, hein? Non. Si. Non. Si? Bah non, si. Attention, c'est une corde autour d'un bout de bois. Est-ce que je peux te filmer quand je fais un peu de batterie, s'il te plaît, ou pas? Tu sais que j'ai fait un cours de batterie dans ma vie. C'est vrai? Quand j'étais petit, ouais. Et tu veux, là, t'es un poil serré, hein, parce qu'on l'a déplacé pour la chambre. Hein. J'ai fait un tour, genre, je pense j'avais 10-11 ans. Mmh. Donc je vais voir s'il me reste des restes. Ouais, bah non, moi je pense qu'il est temps. Je pense que t'as plus rien. En plus, 15 ans. Vu comme t'es serré, là. Non, mais là, tu fais n'importe quoi. Ah non, mais c'est ACDC. Les bandes d'auteur, ça va passer, là. Ok, là, t'as le tempo, déjà. Ouais. Là, tu commences à bouger la tête. T'imagines, tu vas à un concert et le mec il joue comme ça? C'est une musique suspense d'un film. Qu'est-ce qui va se passer dans la suite du vlog? Est-ce que Max, Brieux et Lucas vont réussir à faire une activité sympa aujourd'hui? Oh putain, je suis pris dans le truc. Lui, va-t-il le rejoindre? Je déclare le vlog numéro 25 ouvert. Merci à tous. Attends, je peux faire une démo, toi? Ah oui, si vous voulez. Hein. Ah, la petite démo de Brie, là. Qu'est-ce que vous voulez que je joue? Ah, j'ai hyper petite idée. Bah, attends, mais n'importe quel son. Ah ouais? Fais Nino et goutte d'eau. Ah non, je connais pas. Ah, tu veux que je fasse la cam? Bah, comme tu veux. Je vais le faire, ouais. Bah, c'est ma cam, en fait. Si tu la veux, t'as qu'à l'acheter. Ah la vache, mais je t'ai rien dit. Ah oui, ça va, tu me lâches. Attends, tu goûtes. Oh, ok. Ensemble, Charlie. Ok. Ensemble, Charlie. Brieux, je t'avais dit de pas faire le con. J'ai pas fait ça en fait. Et le son, c'est quel le son là? Tu sais faire ça? Ouais. Ok. Non mais fais un son connu, non? T'as pas un truc? Non, j'ai attends, rien mais tu peux. Ok, d'accord. Ok. Putain, c'est bien, ouais. Mais attends, ça va en vrai, non? J'ai fait c'est deux ans de batterie. C'est vrai? Combien? Ouais. 2 ans? Ouais. Non. En CM1, CM2. Et pourquoi j'ai jamais dit qu'on parlait de batterie? Bah, parce que. Là, tu savais un autre truc ou? Non. Vous savez qui c'était mon prof de batterie? Je viens de dire, je pense pas qu'on connaisse, parce que j'ai pas beaucoup de. Le batteur de Angoon. Ah, putain, c'est sûr, ouais. Bah, ouais, bien sûr, ouais. C'est drôle, putain. Ouais. C'est stylé, ouais. Ça, c'est super parce que la dernière fois qu'on était venu, la salle de bain, vraiment, il y avait pas de porte, du coup, on nous voyait dans la salle de bain. Et là, maintenant, t'as la porte coulissante. Je suis trop fier de cette porte, hein. Ça, c'est la mienne, ça. Et j'ai posé les portes de placard la semaine dernière. Merci, mec. Je savais que vous arriviez. Ah, il y avait pas ça à l'époque? Non, il y avait pas, c'était par terre, quoi. Le plâtre, c'est ce que tu mets en bas du mur. Ok! Hein? J'ai testé l'acoustique de la pièce. Ok. Ok, bah super ça. Je finirai cette séquence avant de bouger par un plan sur les caleçons de briques qui sont en train de sécher là. Le Lévis rouge qui a été souillé par la boue. Ah, il a plus cher. Lui, là, il en a vu des choses passer lui. Cette semaine, j'ai jeté un caleçon, vous savez pourquoi? Non. Tellement je l'ai mis, il était troué là, au No Man's Land. Ah oui, bah, on l'a tous celui-là. Ah, terrible. Moi, j'en ai pas. Et j'ai un grand débat sur les caleçons blancs en ce moment. Ah oui, Max, j'ai fait fou rire. Tout à l'heure, j'étais sur le canapé, sur l'ordi et tout. Et là, je vois Max, il arrive juste en caleçon. C'est vraiment white. Caleçon torse. Attends, nu. Mais faut que je vous montre une photo. C'est cool ça. On dirait une couche, c'est vrai, putain, on dirait vraiment une couche. Et en gros, ouais.
caleçon blanc, ça fait vite. Grosse couche, couche de gros bébé. Et je m'en suis rendu compte là, il y a pas longtemps, très longtemps. Surtout qu'il est risqué le caleçon blanc quand même. Quitte à choisir une couleur, tu prends pas blanc quand même. Pas beaucoup qui le teintent le caleçon blanc, papa. C'est une ref. Et en gros, c'est quoi la ref? Bah, si tu te situes, tout le monde le voit. C'est quoi la ref pour la... Tu parles avec ça. Je pense qu'il avait ça. Je parle à Maxime. Maxime, il va. Je sais pas si elle va regarder. C'est une ref pour une personne, quoi. Mais en gros, c'est. Mais je te jure, j'arrive pas à la retrouver cette ref. C'est un caleçon, une photo de caleçon blanc. Il y a un mec qui s'incruste que les yeux et, le, et la bouche dans le caleçon. Et il y en a pas beaucoup qui le tentent, le caleçon blanc, papa. Est-ce que faut pas montrer le truc de Coldplay? Ah oui! Parce qu'on a parlé dans le vlog, on va tester les restos de Michou. Max, il a été au concert de Coldplay. Le chanteur de Coldplay a pointé Max du doigt en disant le mec au pull rose, etc. Non, on a demandé si on avait une vidéo. Écoute bien la vidéo. Dis pas le mec au pull rose. Écoute bien. Ah bon? Il y a deux vidéos différentes. Donc Max après a demandé si des gens parmi vous avaient une vidéo de ça. Au concert, envoyez-le nous. Et quelqu'un me l'a envoyé, du coup, moi, alors, je t'ai envoyé la vidéo, mais je n'ai même pas regardé la vidéo. Je vais garder je vais garder le suspense en vlog. Écoute bien. Celle-là, donc moi, j'étais là-bas, là. J'étais juste là. Donc là, il dit bonjour à tout le monde. A lady! Lady, ne pisse. Ah putain, c'est pas toi! Mais si, si, si! Mais non! Je vous jure, rien. Bah non, mais pourquoi? Il pointe exactement la zone et vraiment, j'ai regardé autour de moi, il y avait personne en rose et encore moins en rose avec un sac et tout le monde était autour de moi quand il l'a dit, vraiment tout le monde s'est retourné vers moi comme un masque, tu vois. Tu crois ça vrai ou pas? Bah, je sais pas. Sauf que, tu vois le pull rose de loin. Oui, mais tu vois le pas visage, le genre. Le visage, on voit. Et attends, et toi, tu m'en as envoyé une autre? Bah, c'est la même, non? Non. Et à la fin, Max est allé voir Chris Martins pour les dédicaces et Chris Martins lui a dit bonjour madame, vous allez bien? Et là, on n'a pas l'impression qu'il dit Lady sur ça. Si, c'est exactement ça. Pile au bon moment. Bon, hyper déçu en fait, Max. Voilà, merci. Voilà. Hyper déçu, voilà. Je vous jure que hyper déçu. Lube, raconte-nous une anecdote sur toi, une anecdote n'importe laquelle, genre un truc même si c'est nul. Un truc qui t'est arrivé récemment là. Je sais rien. Le ciné-d'hier, c'est quoi? Ah, c'est marrant ça, le ciné-d'hier. C'est drôle. Ah ouais, le ciné-d'hier. J'ai pas la ref. Ma mère, elle me dit viens, on va au cinéma, on passe une soirée tous les deux, tout ça. On arrive dans la salle, personne dans la salle. Il était 20h35, le film commençait à 20h45. Et il y a une dame qui est arrivée à 20h44. On était trois dans la salle. Vous avez vu quoi? Juliette au printemps. Et c'est bien? Ça va. Tellement poli. C'est le ça va poli. Bah, ça dépend quoi. Enfin, il y en a qui peuvent aimer. Gentil, moi, c'est pas mon style quoi. Ouais. Ok. Et à 3, vous avez fait un after après? C'est un petit récit. Ah non. POV, la salle de cinéma à 20h43. Bande de bâtards, on est que deux. Ok, on bouge. Allez, c'est parti la team. Regardez à côté de qui je suis, c'est mon lip ça. Ouais. En pleine bectance, mon lip. Ah ouais, le burger. Tu sais ce qu'il faut faire quand c'est la bectance ou pas, t'as la ref? Non. Si. Ah. C'est brilleux, mais je me souviens plus. Quand c'est la bectance, faut quoi? Ah merde, faut manger. Bah, faut manger ouais, quand c'est la bectance, bien sûr. En plein repas, mon brie, fish and chips, j'ai pris le même. Ouais. Moi, c'est salade, j'ai demandé supplément salade. C'est 8€, mais j'en ai trop besoin, c'est hyper important. C'est une feuille, c'est vrai que c'est drôle, on a une feuille. Vraiment une quoi. C'est vrai, c'est fou. Et au max, sous tartine quoi. Moi, j'ai une tartine reine avec de la bonne salade. Mais les gens, ils savent où on est là. Ah oui, c'est vrai, pardon. Ah oui, j'avoue. Très bon ah si, on l'a dit tout à l'heure, je sais plus. Non. Regardez-moi ça si on voit un petit peu. On est au viaduc de la Souleuvre, tous les Normands y connaissent. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais. Mais là, il y a beaucoup de monde. En gros, c'est. Ouais, t'as plein d'attractions, entre guillemets. Enfin, non, c'est plus non. Sur l'élastique, tyrolienne. C'est comment on appelle ça? Un centre de loisirs, j'ai envie de dire. Non, pas en vrai. Un site touristique? Un site de. Un site à sensation? Ouais, un site à sensation. Un site de chute. Quand tu sais pas, dis rien, mon mec. Hein. Parce que là, c'était horrible. Oui. Par contre, j'ai goûté les frites à la sauce béarnaise, c'est hilarant. Ouais, c'est hilarant. Bon, très bon. C'est pas le bon adjectif. Ouais. Et fish and chips, un des meilleurs plats sur Terre, trop souvent sous-estimé, je trouve. Genre, souvent, tu sais. T'as l'impression ouais, que c'est un plus un dans une carte de resto, pas du tout. Hein. C'est super bon. Type, je le tente jamais. Mec, c'est super. Alors que j'aime bien. POV, je me suis déjà attaché. Non, c'est pas possible. Si. Mais Max, t'as vraiment une galère, toi. Tiens, Luc, pendant qu'on y pense, le mot code du jour, c'est à toi de le dire. Oh. Et bah, on va dire viaduc. Allez, parfait. Par rapport à quoi? Pourquoi viaduc? Par rapport au viaduc de la Souleuvre. Ah oui. Ah. On fait la choré de It's Raining Men. Ah ouais, Brie, vas-y, toi. Si, Brie. Allez, petite choré. Tu me suis. Non, tu disais It's Raining Men. Non, je vais faire tout seul. Tu l'as fait avec moi? Ah, y'a Lub qui t'accompagne. Non. Si. Ah bah non. Ah si. Ah bah non. Allez, Brie, une petite choré. Ou une chorale. Un des deux. Chorale. Choré ou chorale comme tu veux. Attends, je peux vous faire un. Je peux vous faire une chanson si vous voulez. Tous les mêmes? Ouais. Vous les hommes, vous êtes tous les mêmes. Si prévisibles, bande de mauviettes infidèles. Tu t'y attends pas, petit bouffon, tu l'as pas vu venir. C'est pas ça?
plus à capter, mais toi t'es vraiment trop trop con. Max il est con. Allez! Ça va, ma petite joue! Incroyable! Ah, c'était l'arrivée parfaite! Ah, je suis mort! Ah, l'arrivée était géniale! Je suis content, mais j'ai un peu peur! C'est qui cet alcoolique? Il danse avec nous! Putain, le Big Bang! C'est l'humain qui a organisé! Oh, Fécoundé sur la pute! POV! POV, Jules Koundé, s'il n'était pas footballeur mais policier! C'est les Koundé! Vous avez compris! Putain, ça fait plaisir de te voir là, mon pote! Ouais, bah moi aussi! Tu fais quoi de temps pour venir ici, toi? T'es pas à côté? 40 minutes, 45. 45, ouais, c'est pas loin! Toi, t'as un truc dans l'œil là, comme jaune. Ouais, parce que je viens de me réveiller. Ça, c'est bizarre. Lubin, il m'a mis un coup de pression. Oh, et attends, moi, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi c'est Lubin qui a fait la surprise et pas Brieux, tu vois. Parce qu'en ce Brieux, bah, on a des soucis en ce moment avec Brieux, on se voit pas trop. Des soucis, c'est juste qu'on a un peu coupé les ponts, mais c'est pas. Y'a aucune tension, pas de. On est dérangé avec ça tous les deux. Ouais, ouais. Bah, après, ouais, le fait que j'ai essayé d'embrasser ta copine, ça l'a. C'est ça, et le fait qu'elle ait apprécié, ça me dérange vraiment. Non, bah ouais, du coup, pourquoi c'est lui qui a organisé? Bah, c'est son initiative. Moi, je voulais te proposer demain, passer à la maison. Ouais. Et tu lui as proposé avant ou après que je dise ça? Oh, avant, ça fait la semaine dernière que je t'ai proposé. Ouais. Putain, c'est hilarant. T'as dit oui tout de suite ou t'as réfléchi? Bon, j'ai dit oui tout de suite, hein, tu connais. Ça me fait plaisir. Ouais, c'est qui programme vachement ces trucs à l'avance, Tanguy, c'est hyper carré donc. À la base, je voulais venir à 9h30, je suis réveillé à 9h30. Tu voulais venir à 9h30 à la base? Ouais. Après, on était en retard donc ça tombait au final. Ouais, bah quand il m'a envoyé un message, ouais, on est en retard, machin, je suis endormi jusqu'à 10h. Putain, bravo Lubin. Putain, ah, merci. Même lui se met à faire des surprises là, ça rigole. Hein. Là, c'est à total. Lubin, il a fait plus de surprises que Brio pour l'instant. Ouais, c'est vrai que Brio pour l'instant il a un. Moi, j'en ai eu. Ah, vous voulez que je vous la tise ou pas? T'en as une? J'en ai une qui va arriver pendant l'été, mais sans dégrader vos surprises. Hein. Je vous mets un boulevard. Bah ouais. C'est un truc, les gars, c'est un truc. Mais c'est pas en juin du coup. Non, je peux pas le faire en juin. Mais c'est un truc. C'est pas une compète, hein. Mais c'est un truc. Ça va vous marquer à vie. À non. Vie. Et pourquoi t'attends quoi là? Enfin, genre t'as pas de date et tout? C'est pas. Non, c'est pas. En fait, c'est un truc tellement costaud organisé qu'il me faut une date, machin. Et c'est sûr que ça se fait cet été? Il y a des chances. Mais c'est tellement complexe que je peux pas le promettre, tu vois. T'as vu comme elle est top la photo? On dirait que c'est Lubin qui conduit. C'est Lubin qui conduit. Ah bon? Oui, regarde. C'est... Allez, yo, je suis devant là. Ok, on va voir sur une passerelle. Parce que. Oh putain! Ah ouais, c'est déjà fou. Toi t'as le vertige? Ah, j'ai le vertige, ouais. Là, faut pas que je saute pour le moment. Non, pour l'instant, tant que t'es pas attaché, non. Wouah! Wouah! Wesh! Ok, moi, en fait, ça dépend. J'ai pas toujours le vertige, ça dépend du contexte. Mais là, par exemple, je l'ai énormément, tu vois. Dans le doute, je vais vite. Ouais, pareil. Quand tu regardes ça, tu vois que ça bouge. Ça me terrifie. Comme ça bouge. Là, si tu regardes ça, tu vois que ça bouge et c'est fait exprès. Ah oui. Genre. Je tiens demain, je sais pas pourquoi. Je préfère. Mais d'habitude, tu le fais pas tomber, pourquoi tu le fais tomber là? Je sais pas. Oh, c'est vraiment. Alors, comment notre cerveau il peut être? Comment il... La peur, c'est tu fou, vas hein. Pas la lâcher quoi. Non, c'est sûr, ouais. Mais c'est vrai que j'attire la demain la cam alors que oui, c'est sûr, j'ai pas. Ouais. Tu ferais ça, Max, un jour? Moi, j'ai trop peur. Non, je fais pas ça, moi. Ça me terrifie. Je tiens trop la vie. Hein, et là, du coup, pour vous dire, il y a peut-être Brieux et Lubin qui vont peut-être tenter un truc. Peut-être ça... pas le saut à l'élastique, mais un autre truc. Le Skyrope, apparemment, c'est un saut pendulaire, ils appellent ça. En gros, t'es sur un côté et pouf. Je crois que c'est encore plus flippant que t'es assis, hein. T'es assis sous les airs, dans l'air, et ça lâche, du coup t'as une sensation de chute libre quand même. Putain, c'est terrible. Ouah, c'est n'importe quoi. Je vais pas regarder à côté, c'est impossible. Je vais pas regarder à côté, je peux regarder qu'au sol là, je vous jure. En fait, moi j'ai pas le vertige, j'ai l'impression que tous les objets que je vais prendre dans mes mains ils seront attirés vers le sol. Ah, mais je vois très bien ce truc là, t'as l'impression que tout va glisser, machin. Ça me terrifie à ça. Ah, c'est un truc de zinzin là. C'est énorme. Et je pense qu'à la cam, on se rend pas compte en vrai. Ouais, on se rend pas compte. Et même d'en bas, c'est encore moins, c'est moins impressionnant. Ah ouais, c'est tout petit quoi. Est-ce que tu te rends compte à quel point du coup ça veut pas être banal de sauter l'élastique quand tu étais là? Je pensais que pour nous c'était un truc un peu tranquille. Chaque fois que tu montes, c'est un truc de fou quoi. C'est inimaginable. On marche dans vite. C'est quoi? Oh, ouais. Tu vas pas tomber. Non, c'est nymphe. Non, ça va, en vrai, ça va, tout va bien. Tout va bien.
va bien, tranquille. Attends, on peut être autant, Non, on peut pas être autant, on a mais pas si le droit d'être autant. Non. Ah, je vous jure que je suis pas bien. Là, la sensation, j'ai... alors que je. Oh, ah, pareil, c'est horrible. Ouais, c'est trop une dinguerie. Oh, mec, ouais, c'est trop une dinguerie en vrai. J'avais pas de. Oh, moi, je suis hyper à l'aise. Je sais que je suis obligé de me tenir en vrai là. Et on sent qu'on bouge. Ah, bah oui, mais c'est pas parce qu'on se tait qu'on sent plus. Oui. Non, mais pour faire. C'est trop une dinguerie en vrai. Arrête, tu regardes pas. Oh là-bas. Oh, oui. Je sais pas si ça se ressent à la cam, mais c'est vraiment un truc de fou en vrai. J'avais pas le vertige jusqu'à présent. Et je crois que je l'ai là dans les trucs comme ça. Mec, je. Oh, la sensation cool, que j'ai eu là, ça montre à quel point je suis incapable de sauter. Ah non, mais là, mais jamais de la vie je le fais, mais jamais. Lubin, tu fais ou quoi? Je sais pas. Il a déjà fait deux fois, hein. Ah, c'est oui, sûr, mais là, oui. Tu vas tenir mes lunettes. Ah oui, mais mec, les lunettes, pareil, je me dis ça aussi. Je peux pas. T'as envie de regarder comment acheter la cam là? Il est comme ça. Je jure, il est comme ça. Je jure, c'est trop drôle. Il a les mains en boîte. Mais je ne peux pas m'empêcher de ne pas tenir mes lunettes. Genre, si je fais ça, je vais. C'est trop drôle en vrai. Normalement, tiens, il y a aucun souci. Là, on a un doute. Mais là, là, on doute surtout. J'ai l'impression qu'il y a une personne sous la terre. J'ai dû prendre ses lunettes. Son portefeuille. Son pantalon. Moi, objectif premier degré. En vrai degré, je pense que je pourrais. Ah ouais? Ouais, je pense. Fais-le alors. Vas-y, vas-y, mon tank. Non, mais si tu le fais, je le fais. Non. Attends. Tanguy. Non. Oh, ça va, pas Tanguy, allez. Allez, Tanguy. Non, mais en vrai, Tanguy va pas le faire. En vrai. Non, Tanguy va pas le faire. Il va pas le faire. Non, mais en fait, c'est pas juste courage pour le faire. Non, mais c'est pas grave. Après, tu vois, t'es ok avec. Tu fais max, toi? Non, moi non. Moi, c'est sûr. Moi, t'inquiète. Au départ, j'ai dit non. Ouais, c'est mort. Sûr que non. Mais alors, il y a 0% de chance que je le fasse. Impossible aussi. Non, mais au montage, on met quelqu'un à ma place qui sort. On fait une doublure. Oh putain. Incroyable. Putain, je sais pas si ce plan il est impressionnant ou pas, mais je vous jure qu'en vrai t'as quand même un truc hein, c'est. Ceux qui ont le vertige je pense que vous comprenez en vrai. T'as bien regarde, rien que là la cam, rien que là tu vois regarde le sol juste en dessous là. Comme quoi ça montre à quel point je tiens ma vie là. Ah pareil ouais. S'il vous plaît me faites pas mourir maintenant. Que ça s'arrête maintenant. Ah pareil. Le film lui. Pourquoi? Parce que Lubin il y a un truc à vous dire là. Non. Je vais sauter. Non. Non, c'est vrai. Oh oui. Là là. Non. Maintenant. Oui. Vas-y. Non parce que non, le vrai. Non. Oui. Elastique, non. Oui. Allez, go. Non. Oh la paire de couilles monumentale. Un oh t'es un monstre. Mec Luc, t'es le roi là. Retournement de situation. Finalement c'était trop long pour le sol élastique. Il y a beaucoup de gens qui font une remplissent l'attente etc. Mais belle compensation parce que Luc va faire comment ça s'appelle ça le saut pendulaire. Saut pendulaire et le bruit aussi. Ouais. Entre frères. On va essayer tous les deux. Bravo. Et là ça va être dingue. En vrai cette fois cette. Vous êtes stressé ou pas? Il y a pas d'attente. Bah non en fait je sais pas si je ressens pareil mais moi vu qu'on l'a fait vite on a pris la décision il y a 2 minutes. On vient d'arriver j'ai peut-être pas le temps de stresser. Ah oui ça ouais. À part si on attend genre une demi-heure ça va. Pas le temps de t'échauffer non plus quoi. Là vous passez dans combien de temps? Moi je stresse. Ah. Il est un peu stressé quand même. Moi je stresse. Bah logique en vrai logique. Ah ouais. Ouais. Vous criez okay, ou pas? Ok, ok. Bah, moi, c'est pas à l'avance. Crier, hein. Mais... Non, mais est-ce que t'as crié dans le soir? Ah oui. Ah. Même en payant d'ailleurs, c'était gênant. Grotesque le lub, grotesque, voilà, incroyable. Là. Bon courage, hein. Là, tu stresses ou pas là? Ouais. Et bah écoute, je vais retourner face à Théo là-bas. Oh là 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 là. Après, c'est toi, mon brillant. Je suis plus stressé pour lui que pour moi, je crois. Ah, c'est beau ça. Ça c'est un vrai grand frère ça. Je sais pas si ouais mais tout là-bas il y a Tanguy et Max qui sont allés filmer du coup d'un autre point de vue. Oh là là. Oh. Allez Lube. Allez à toutes hein. Oh là là là. Ouais. Oh ça va se pousser rien que ça déjà quand t'es au-dessus du vide là. Oh yo 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 yo. Oh oh oh. Oh putain j'arrive pas à filmer, je suis désolé la team, j'ai peur. Oh waouh. Il a même pas crié. Non, mais je pense que non, tu peux pas parler dans ces moments-là. Ouais Lub. Ouais. Premier degré peur, téléphone, je suis incapable de le regarder au-dessus du vide. Impossible. C'est horrible. Oh, putain. Et vraiment, j'ai envie encore là. Même moi, j'ai l'impression que j'ai sauté avec lui. Pour moi, j'ai sauté à l'élastique. Je suis content d'avoir fait ça. Ah putain, pareil. Oh, le retour du roi. Il est blanc. Ouh la vache. Il est blanc. Alors, c'était celui-là là-bas ou pas? Ah, ça me fait trop peur. Ah ouais, oh, c'est. Tu vois vraiment la force. Ah, c'est fort, ouais. Alors, Lubin, t'as kiffé ou pas? Ouais, en vrai, c'est génial. Ah, énorme, c'est génial. Énorme, ah, ouais. Là, tu penses. Ah. Pardon, excuse-moi. Ça va, tu sens bien ou quoi? Ouais, bah j'ai les jambes qui tremblent, mais bon.
Ah normal hein. Allez mon bruit. Avec le refrain en même temps qu'il part là. Putain c'est historique ça. C'est comment là-bas? Oh là 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 là. Wesh. Il se bat contre qui là? Brieux. Brieux, arrête, on t'entend. Tu me fous la honte là, arrête. Il y a tout le monde qui t'entend. Il est trop fort. Ah, il est chaud. Hein. Alors, t'as kiffé Brie? Ouah, c'était fou. En vrai, on a fait, avec Uber, on avait déjà fait deux fois le saut élastique. Et c'est vraiment, pour moi, c'était le prime des sensations. Genre, c'est extraordinaire les sensations. Mais là, ce truc-là, t'as un truc de... Tu te prends une claque en sensation, mais t'es hyper confort parce que okay. T'es dans un fauteuil. Mais par contre, la chute libre, j'avais sous-estimé de fou. Parce que... Ah, mais c'est hyper impressionnant avant. Mais moi, la première chute là que vous avez là, je l'avais pas vu la chute libre. À chaque fois, on la voyait du dessus, du coup, on la voyait pas trop bien. Mais quand t'es dedans, tu prends un truc. Ah, ouais, c'est fou. C'est de la folie. Putain, c'est incroyable. Ok, la team, on se retrouve chez le Brie. Il est. Quelle heure? 19h55 et le vlog vient de sortir avec du retard, désolé la team mais on est rentré un peu tard donc le temps de finir le montage et tout. Mais il vient de sortir et justement on va le regarder là. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas réagi à un vlog ensemble. C'est vrai, c'est un plaisir. Je sais pas depuis quand ça date. Depuis le camping, je crois. Hein. Le camping. Mais là celui-là franchement je le trouve vraiment cool. Si vous avez pas vu le vlog d'hier, je vous conseille d'aller le voir, franchement il est vraiment bien. Et je pense qu'il a bien vieilli même en une journée. Hein. Enfin, c'est pas le truc qui vieillit mal quoi. Bah ouais ouais. A priori, quoi. On a pas trop changé? Non. Non ça va. Je crois pas. Ah si Brie, putain, comme tu faisais jeune sur le vlog, tu vas voir. J'ai grandi de fou. Tu faisais vraiment gamin en vrai. Et là, Brie merci. Nous régale, Brie, présente-le moi là. Saucisson au comté. Celui-là il a vieilli dans le placard mon pote. Il est hyper sec. Mais très juteux. Donc c'est pour moi, c'est le prime saucisson. C'est vraiment... Déjà, ça sent si bon, c'est une dinguerie. Ah ouais, il est trop bon. C'est vrai? Ouais. Regardez. Moi, je sais qui tu vas faire. Non. Si. Regarde. Il prend pas. Parce que je lui ai pas dit. Vas-y, laisse la main devant. Non, mais il lui dit. D'habitude, les chiens, c'est vrai qu'ils les prennent. Là, c'est vrai. Vas-y, là. Il les prend. Wesh! Ah, c'est pas mal. Oh, ouais, c'est ouf. Vas-y, fais pareil avec Max. Fais pareil avec Max pour voir. Ah merde, il tombe par terre. Oh mince! Ok, prends. Mais ouais! Et fais pareil avec Max pour voir, tu sais. Max? Ah mais. Ah, tu m'as donné. Tu veux que je fasse les mêmes exercices qu'avec Siki? Ouais. Non. Donne-moi, wesh! Non, tu attends. Ok. Ok, prends. C'est bien, regarde-le, il brille, c'est trop beau. Et donc nous on va y aller avec Max et Brie tranquille, normal, on joue en la team. J'ai votre réaction là, à la surprise de Co, quand la réaction de Co et qu'on la surprise. Eh oui mais j'ai eu un peu de retard Mako, faut pas toujours tout faire dans la vie. Ah, sympa. Sympa. Elle a dit sympa. La réaction est trop bien, trop bien la réaction. C'est fou. Ouais. Ah non putain, j'ai déjà vécu. Oh là là, c'est super ça. Putain, c'est une dinguerie, mais même à réécouter, c'est un truc. La voix que là, c'est un truc de malade. C'est trop bien. Comme si je m'étais fait mal. Vous avez kiffé? Il est cool, ah, non? C'est super. Ah ouais, passe un big up à lui là. Vas-y. Ah oui, les informations de chaque jour, bien sûr, c'est bien ça. Il fait des commentaires comme ça, il peut travailler tous les jours. C'est vrai, gros big up à lui. Bravo, les blocs de juin se terminent bientôt, c'est vrai. Bah là, c'est vraiment les premiers commentaires, ça vient de sortir. Moi, je veux plus d'apparitions dans la prochaine saison des deux stars, Emma et Juliette. Ah bah, totalement d'accord. Deux stars, deux futurs stars. Ce soir, il y a un truc qui s'appelle, à Vire, qui s'appelle, je crois que c'est ce soir, les Vire Voltées, non? Oh, une soirée à Vire. Et ce soir, à Vire, en fait, il y a un truc qui se fait tous les ans, ça s'appelle les Vire Voltées. Et donc t'as plein de vaudevilles, des spectacles dans la rue, t'as du théâtre, des petits stand-up, de la musique. Oh, j'adore cette ambiance là. Est-ce qu'il y a des churros? Je sais pas s'il y a des churros. Non, je pense pas qu'il y ait de churros à Vire. Ah ouais. Il y a pas de churros à Vire. C'est vrai parce que t'en as jamais parlé, je crois, aux gens clairement. Oui, et du coup, ils doivent sentir qu'il y a une ambiguïté. J'en parlerai plus tard. Un peu concret. Donc là il y a les spectacles et tout, mais est-ce que c'est aussi ambiance un peu marché nocturne, des trucs comme ça ou pas du tout? Non, là c'est juste, en gros je pense qu'ils vont avoir mis une scène sur une place et il y a des spectacles qui s'enchaînent. C'est beau ce qui se passe là. Brie, c'est toi le responsable de ça là? Le responsable de ça? Le responsable de cette tifance? Bon attention. De cette pleine tifance? C'est des. Parce qu'en fait il n'y avait plus assez de pâtes. Attention. Donc on va faire du riz à la carbonara. C'est la première fois que j'entends ça. Oh!
Ok, ok. Elles sont bêtées. Ok, eh, eh. Ok, eh, okay, eh. J'ai deux jeux de jeu sur le PP. Donc, Spider pour cet été. Vous êtes recommencé à du Sector. Comme Usain Bolt. Mais il fait quoi? Je comprends, ils ont aussi, mais quoi? Ok. Attends, je vais te dire. Tu vas me dire? Ok. C'est vrai. Ok. Ils ont essayé, mais sorcellerie n'a pas marché. Ok, toi. Ils ont essayé, mais sorcellerie n'a pas marché. C'est super ce qui se passe ou pas? J'ai pas encore goûté, moi. Max, t'en veux ou pas? Je t'ai servi, Max. Moi, j'en veux. Non, c'est très bon. Non, ouais, c'est très bon. C'est vraiment, ça fait bizarre. C'est un bug de cerveau de manger de la carbo avec du riz. Fun fact, c'est assez drôle, c'est que Max, tu bois quoi là? Bah, un coca. Ouais, mais non, un coca soda stream, mec. Non. Et si ça vient totalement de soda stream, ça? C'est un coca normal. Bah, non, Rad. Soda stream. Soda stream. Alors, t'en penses quoi, Max? Vraiment délicieux. Un coca normal, c'est un coca normal. Non, c'est soda stream, ouais. Non, c'est juste là. Il va remarquer soda stream dessus là. Jamais goûté soda stream, moi. Bah, Rick, c'est. T'es con quoi ce que tu vois là. Je pensais à un truc là. Souvent dans les vlogs, on fait la promo des gens et tout. On dit allez vous abonner, mais allez vous abonner à Lub. Ah, bah, dire. Je sais pas si c'est pas de gros chose sur ton compte Insta, mais. Bah, non, bah, moi. T'étais en public, Lub ou pas? Je sais même pas. Mais à tel point il est pas très instable. Oh, viens, attends, on fait un truc. Là, on a pris une photo tout à l'heure. Là, à la base, c'était en van en mode quand on mangeait ce midi. Ah. Tu peux la poste demain et tous ceux qui regardent ce vlog, allez liker la photo. De là. Ouais, avec lui. Ouais, tu l'as la photo ou pas là? Ouais, je l'ai. Je l'ai, mais quand? Demain à 18h42. Bah, ouais, super. Quand le vlog sort. C'est ça le compte son, je vais être en description. Bah, Lubin d'Orléans, allez tous liker la photo de Luc demain. Tu l'as la photo ou pas là? Ouais, je l'ai. J'en ai pas. On peut voir ou pas vite fait? Ouais. Tu la teases? C'est quoi, je la montre très rapidement. Il y a celle-ci de. Ah, mais celle-là est trop bien, mec. Ah, mais elle est encore mieux celle-là, non? Il y a celle-ci avec tout le monde. Tous les ah, cinq. Elle est encore mieux avec tout le monde en vrai. Ah, celle-là avec le Lub aussi. Elle est super. Montre. Ah, celle-là, elle est bien aussi. Ah, elle est stylée. Et ben, si tu veux, limite, mets les deux en carrousel. Ah ouais, tu mets. Ça, ça. Il y a plein de vectors là, mon livre. Bah, tu mets les deux sinon. Bah ouais, un petit carrousel des deux. Et puis, tu sais faire un carrousel ou pas? Non, je sais pas. Bon, t'apprendras en gros. Ok. Et venez demain, la team, tous ceux qui regardent le vlog, allez vite fait sur Insta. Et tu peux faire une troisième photo qui a rien à voir avec ça? Ah ouais, ah ouais, c'est bien, ouais. En tout cas, vas-y. Rien à voir. Genre les Doritos. Et pour l'instant, tu dis rien. Venez tous, je partagerai aussi en story, je pense, la photo. Mais allez, même en description et tout, faut qu'on explose un record de likes sur le post de Lubin, ok? Ah, ce serait génial. C'était très drôle, c'était hyper drôle. Super ça. C'est gratuit. Là, c'est incroyable. Hein. Tu viens comme ça, tu regardes, c'est trop long. C'est la place du château. Ouais. Ah, c'est un château là-bas. Beaucoup de châteaux. Ouais. Wow. Ça me fascine toujours ça, c'est un truc de fou. Hein. On a croisé un abonné et pas n'importe lequel, un vrai de vrai. Plus, hein. Il a provoqué la rencontre. Ah oui, bah attends, tu sais qu'on a pas filmé le live Insta, mais en gros, avant de manger, j'ai fait un live Insta sur mon compte Insta. Et à la fin, on dit bah si jamais il y en a qui sont à Vire, nous on va justement à cet événement là. Donc si vous voulez venir, il y a vraiment quelqu'un qui est venu. Il y a un gars. Yola team. Enzo, Enzo le boss. Une demi-heure de route pour venir nous voir. Putain, Enzo, tu nous régales. Quel plaisir. Tu nous régales et tu auras tous les vlogs, tu disais, ça fait plaisir quoi. Tous les vlogs, j'ai toutes les rêves. C'est drôle. Il a la rêve de notre club quoi. C'est fou. Du métier même, je pensais que c'était du bluff un peu, tu vois. Non, il a l'air fait du métier et tout. Ah oui, c'est vrai, c'est fou en plus. Tu vois, même moi j'aurais dit ébéniste, tu vois. Si tu fais ce matin, même moi je me serais trompé, tu vois. Alors que le dernier vlog il t'expliquait pendant un quart d'heure la différence entre ébéniste et menuisier. Oui, c'est vrai, mais j'ai une mauvaise mémoire, je suis désolé. Et j'ai expliqué aussi que ça fait plaisir de voir qu'ils sont pareils dans la vraie vie et dans les caméras. Ah, ça fait plaisir, ouais. Et dans les vlogs, du coup, ça permet de savoir justement que ça fait. C'est pareil. Ouais. Comment c'était? Je suis brilleux. Tu sais qu'on a vraiment l'impression que c'était une menace. Tu commences la séquence, Jack s'avance. Bon bah je vous le dis, ça. C'est fou putain, mais quel plaisir. Non mais nous c'est vraiment le meilleur compliment, je trouve. Merci, c'est vraiment absolument. Le meilleur truc possible, ouais. Tu vois. Genre, nous c'est le but avec les vlogs surtout. Enzo, t'as une copine depuis 3 ans? Non. Aucune copine depuis 19 ans. Allez hop. Allez, Enzo, par contre, t'as forcément des sœurs et t'en as notamment deux grandes sœurs. Deux grands frères. Ça marche, on parle là-dessus. C'est chaud là. Bah, Max est plus grand dans la vraie vie qu'en vidéo. Voilà. Attends, mais tu sais quoi, il y a quelqu'un qui m'a dit l'inverse. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message ou en commentaire. Vous savez de quoi j'ai faim là? Ah, de churros. Ouais. Ah mec, de fou vraiment, je me disais. J'ai envie de churros. C'est vraiment l'ambiance là. Churros là. Mais allez, viens là. C'est là? De quoi? Tu leur préfères? Et ça, non, ça c'est pas parce que t'es devant moi. Ça, je peux appeler mon frère, il dira pareil. Il dira, ouais. C'est vrai? Ah putain, mec, ça fait trop plaisir en vrai. Aïe aïe aïe, pas de churros, Max. Chien anti. Finalement, on a pris des glaces qui ont l'air super. Alors là, elles sont extraordinaires. Succulentes. Ah, c'est... J'ai goûté juste la fraise pour l'instant, c'est super. Là, je fais fraise, menthe, chocolat. D'après la vendeuse productrice, elle m'a dit que c'était vraiment son banger ultime. Tout est fait vraiment maison. Elle cultive tout, etc. Donc c'est super. Déjà, ça fait plaisir de soutenir les gens comme ça qui travaillent à fond, donc c'est trop bien. Et en plus, franchement, on se régale. Oh putain, mais attendez, c'est super là ce qui se passe là. T'as vu, ça c'est Notre-Dame. T'as dit Notre-Dame de Vire. Et tu sais que le son Notre-Dame de Gazo Chacola, c'est un ref à ça justement. Mais, putain, mais tu comprends pas si bien dire. Et vous voyez ça pour la petite histoire, c'est un des
des quelques bâtiments de Vire qui n'ont pas été détruits pendant la guerre. Tu vois, tous les bâtiments de Vire, ils sont pas beaux, c'est parce que ça a été reconstruit. Ah, allez, prends ça, la ville de Vire. Regardez ce qu'il vous fait, Bruno. Non, mais c'est vrai, c'est pas beau, ça a été fait rapidement avec des produits pas très nobles. Allez, magnifique. C'est beau, hein. On peut rentrer ? Non. Bah, pas la nuit. Puis au vu le prêtre, laissez-moi dormir. Le bossu Notre-Dame. Non ! C'est chez moi, je dors. Attends, mais on va passer devant ça en fait en novembre, non ? Bah oui. Je suis con là. C'est normal, mec. Là, je vous dis, Vire c'est cool, mais il manque 5 degrés facile là pour être bien là. Il fait froid là, il fait froid là. Là, vous abusez les Normands là-dessus, je suis désolé. Le fin juin, mettez-nous du t-shirt quoi. On vient de rentrer du coup chez Brie et on va finir. Ah bah non, Brie, non, je l'ai posé à côté. Je l'ai décalé juste quoi. On tourne le vlog depuis le début. Non, mais non, on fait comme si c'était. Ouais, putain, cette fin de vlog, c'est un enfer là. Gros big up à l'équipe de France de volley qui a gagné contre la Pologne en Ligue des Nations et qui joue. Bah là, je pense que quand le vlog sera sorti, ils auront joué la finale. Donc vous saurez s'ils ont gagné. Ouais, demain, là. Incroyable. Demain, du coup, dernier vlog en Normandie et avant-dernier vlog du mois de juin. Arrête, donc voilà. Il est tombé. Si, casse-toi. Regarde. Oubliez pas là. Maintenant, allez liker la photo de Lubin. On l'a dit sur Insta. Ah ouais. C'est maintenant la team. Il y a pas de surprise. Il y a pas de surprise. Même nous, on n'est pas au courant pour le coup. Donc voilà, merci à tous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis on se retrouve. Il y a plus que deux vlogs, quoi. C'est fou. Plus que deux vlogs. Allez, ciao la team. Bonne soirée. Ciao.